sont des personnes qui n'imaginent même pas à quel point ils sont abusés, à quel point on les force à faire des choses qui sont totalement inhumaines. Il y a un sentiment en fait de solitude, de mise à l'écart. Je regrette de dire que j'étais un manipulateur énorme, mais sans savoir que je faisais ça. Ils ont sans doute déjà frappé à votre porte. Peut-être les croisez-vous dans la rue. Bible en main, ils promettent de répondre à toutes nos questions. Mais qui sont réellement les témoins de Jéhovah ? Pendant plusieurs mois, je me suis mêlé à eux, assistant à leurs réunions, partageant parfois leur quotidien. On dit « Jéhovah, c'est notre père ». L'organisation, c'est notre mère. J'y ai découvert un monde fait de promesses et de restrictions. Qui aime la magie ? Jéhovah ? Ou Satan ? Satan. Un monde à part, attendant impatiemment le grand jour de Jéhovah. Qui sont vraiment les témoins de Jéhovah ? Certains sont vos voisins. Ok, Dad, I'm ready. Sounds great. Ok, let's try it. Here we go. We can do this. All right, I'm ready to go now. You're doing great. Des gens que vous côtoyez tous les jours. Ils sont polis, joyeux, bienveillants. C'est l'image que reflètent les témoins de Jéhovah dans cette vidéo de présentation. Des personnes sincères qui aspirent à un monde meilleur. Des personnes qui étudient assidûment la Bible et qui appliquent ses principes dans leur vie quotidienne. Des personnes qui cultivent ainsi un profond amour pour la vérité. Une famille de frères et sœurs persuadés de posséder la vérité, une vérité qu'ils proclament d'ailleurs autour d'eux à qui veut l'entendre. Ils annoncent ce message en des centaines de langues. Ils le proclament dans plus de 230 pays. Mais les témoins de Jéhovah, c'est aussi une organisation, la Watchtower. Basée à Waverick, dans l'État de New York, cette société coordonne 90 filiales à travers le monde. À sa tête, un collège de 8 hommes, ils constituent le canal entre leur dieu Jéhovah et les humains. Leur objectif, assurer l'ordre et nourrir spirituellement plus de 8 millions de témoins. Alors quel que soit votre travail ici, quel que soit le moment où vous rentrez chez vous, n'oubliez pas vos relations avec Jéhovah. Pour cela, la Watchtower imprime ses propres publications. Les plus célèbres, La Tour de Garde et Réveillez-vous, sont imprimées en dizaines de millions d'exemplaires chaque année. En Belgique, il y aurait selon l'organisation 25 500 témoins de Jéhovah actifs à ce jour. À l'origine des témoins de Jéhovah, on retrouve un homme, Charles Taze Russell. En 1870, ce pasteur américain fonde un groupe de chrétiens appelé les étudiants de la Bible. Basé sur une lecture littérale des Écritures, il rejette certains dogmes chrétiens, parmi lesquels l'immortalité de l'âme, la Trinité et l'enfer. Mais Russell va plus loin et prédit aussi la fin de ce monde, jugé méchant, pour 1914. D'autres dates suivront ensuite, 1925, puis 1975. Aujourd'hui encore, les témoins de Jéhovah attendent cette fin du monde baptisée Armageddon et jugée imminente. Lors de celle-ci, des milliards d'humains seront détruits. Les témoins de Jéhovah, eux, survivront et accéderont à un paradis éternel sur la terre. Imaginez le paradis rétabli sur la terre. D'autres, morts avant cette fin du monde, reviendront sur terre et devront se vouer à Jéhovah. Des milliards d'humains seront ressuscités. Alexandre connaît bien l'organisation des témoins de Jéhovah. Il y a passé près de 25 ans de sa vie. Eh bien voilà, nous sommes arrivés actuellement devant la salle du royaume des témoins de Jéhovah. On voit le JW.org. Il s'agit de leur site internet principal. Et c'est aujourd'hui ce qui nous permet uniquement de distinguer ce bâtiment comme étant la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Trois fois par semaine, Alexandre et sa femme se rendaient ici pour étudier la Bible en compagnie d'autres témoins de Jéhovah, des réunions auxquelles il assiste dès l'âge de 2 ans lorsque ses parents rejoignent le mouvement. Pendant plusieurs années, Alexandre suivra ainsi les enseignements de la Watchtower. Aujourd'hui, il dénonce les dérives d'une organisation
loin de l'image bienveillante qu'elle présente. Les témoins de Jéhovah se présentent comme le peuple heureux. Oui, voilà, le peuple heureux. C'était le thème d'une de leurs assemblées il y a quelques années. Je n'ai jamais vu autant de personnes déprimées que chez les témoins de Jéhovah. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Donc oui, il y a un discours très, très emballant, très ouvert, un discours de gentillesse, qui est le discours qui est donné au grand public. Il n'y a que du mensonge, il n'y a que du mensonge et de l'hypocrisie chez les témoins de Jéhovah. Quand vous me demandiez tout à l'heure s'ils sont vraiment heureux, moi je pense que bon nombre des témoins de Jéhovah souffrent d'une double personnalité en fait, parce que moi ma double personnalité c'est ce qui m'a sauvée, parce que je l'ai fait de façon très consciente. Mais je pense qu'ils doivent être constamment déchirés entre ce qu'ils aimeraient faire de leur vie, entre ce dont ils auraient envie et ce que la secte leur dicte de faire. C'est un déchirement constant, en fait. Des témoignages bien différents de l'image que renvoient les témoins de Jéhovah. Alors que se cache-t-il réellement derrière cette organisation? Intrigué, je décide d'en savoir plus. Je m'équipe alors de caméras cachées et pars à leur rencontre. Gare centrale à Bruxelles. Comme à leur habitude, un groupe de témoins de Jéhovah patiente derrière un présentoir. Ils remplissent leur mission de prédication, espérant attirer l'attention de quelques passants. Je fais mine de m'intéresser. C'est gratuit ? Oui. Et en quelle langue ? En français ? Il y a là et il y a là aussi. Je prends quelques périodiques que l'on me propose gratuitement. Ici, ça répond à 14 questions. Qu'on se pose en général concernant Dieu. Mais rapidement, on me propose d'aller plus loin et de répondre personnellement à mes questions. Si vous voulez peut-être un contact plus précis, parce qu'on peut organiser, si vous avez des questions ou quoi, on peut vous répondre à vos questions personnellement. Vous voulez un contact? Oui, je veux bien. J'accepte donc de laisser mes coordonnées pour qu'un témoin de Jéhovah me rappelle plus tard. Merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. J'attends l'appel en tout cas. Vous verrez. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Et comme prévu, je reçois un appel quelques jours plus tard. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Je vous avais téléphoné samedi. Ah, oui. Durant 20 minutes, je discute avec cet homme des questions que je me pose, des questions sur la vie, la mort ou encore Dieu. Après quoi, ici aussi, on me propose d'aller un pas plus loin. Si vous avez des témoins de Jéhovah qui passent dans votre quartier, n'hésitez pas à leur demander. Hein. D'accord. Si vous voulez vous donner votre adresse, je demanderai à quelqu'un de vous apporter la Bible. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun problème pour ça. Oui. Si vous voulez une étude biblique, elle est gratuite. Elle se fera au moment où vous voulez. Et où vous voulez, on pourra étudier la Bible avec vous. Il n'y a aucun problème. Ah, vous venez chez les gens faire des études bibliques? Pas de problème. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. Des études de la Bible à domicile, entièrement gratuites, difficile de refuser. D'accord. J'accepte donc et donne mon adresse. Je vais transmettre ça pour que quelqu'un de votre région puisse le faire, il n'y a pas de problème. Très bien. Bah écoutez, selon les témoins de Jéhovah, 10 millions de cours bibliques seraient donnés chaque mois. Mais qu'est-ce qui pousse donc autant de personnes à se rapprocher de ce type de mouvement? Johan De Troe est psychologue, il travaille depuis de nombreuses années avec des victimes de sectes en Belgique. Lui-même témoin de Jéhovah durant 8 années de sa vie, il connaît bien ce mouvement et les personnes qui y adhèrent. People who get involved in sectarian movements like Jehovah's Witnesses are people who are looking for certainties, for answers. And life within a sectarian movement is very easy because you get an answer to all your questions and the answers are very easy. You must have some kind of negative experiences in your life. You're not feeling actually very good in your life. There's something missing. Pour plus de crédibilité, j'adopte donc le profil d'un jeune étudiant mal dans sa peau et qui se pose des questions sur le sens de sa vie. Des réponses, elles, vont m'être apportées avec une facilité déconcertante. Bonjour. Bonjour. Bonjour, entrez. Vas-y, c'est moi. L'étude biblique à domicile est la première étape à franchir pour devenir témoin de Jéhovah. Elle se base sur un livre publié par l'organisation. À la lecture de chaque paragraphe, des questions sont posées à l'étudiant qui doit alors utiliser ce qu'il vient de lire pour répondre. Alors, le paragraphe pose la question, qu'est-ce que ce royaume? Ce royaume, c'est
gouvernement qui est au ciel et que Dieu utilisera pour diriger la terre. Le témoin de Jéhovah qui vient me visiter est un ancien, c'est-à-dire un sage dans sa congrégation. Il a donc l'habitude de conduire ce genre d'études. Rapidement, il aborde avec moi certaines croyances des témoins de Jéhovah, comme la fin du monde et l'existence du diable. Alors, il faut bien savoir que si Dieu existe, ça c'est sûr que le diable existe. Si d'un côté on peut considérer qu'il y a Dieu, et de l'autre côté il y a le diable, tous ceux qui prennent position pour Dieu se voient comme adversaires Satan le diable. Et Satan le diable, lui, il ne veut pas qu'on devienne témoin de Dieu. Aujourd'hui, quand le royaume de Dieu va intervenir dans les affaires humaines, ceux qui ont pris position pour Dieu, eux seront protégés. Ceux qui n'ont pas pris position pour Jéhovah peuvent mourir. Mais tu verras, au fur et à mesure que tu avanceras, si tu avances dans l'étude, tu verras que au plus tu vas comprendre les Écritures et comment Dieu fonctionne. Parce que tout est là, hein, tout est dedans. Hein. Et au plus tu vas te dire, ah oui, ça c'est pour mon bien. Peut-être que Dieu me demande ça demande un effort, c'est vrai, mais c'est pour mon bien. Pour mon bien, je décide donc de continuer l'étude. Semaine après semaine, je commence à mieux comprendre les enseignements de la Watchtower, une progression saluée par mon enseignant, qui après un mois et demi, me propose d'assister à une de leurs réunions. Il ne faut pas oublier ce que tu reçois ici de nous deux, en une heure par semaine, par rapport à ce qu'on reçoit aux réunions, en connaissance, pour acquérir une maturité spirituelle, nous on donne vraiment très peu par rapport à ce qu'on reçoit aux réunions. Alors voilà, je te le dis simplement, je te le signale, si tu veux venir, tu es le bienvenu. Et s'il faut, on vient te chercher. J'accepte l'invitation, et le soir même, je me rends à la salle du royaume des témoins de Jéhovah, où se déroule leur réunion. Basile. Bonjour Basile, enchanté. Basile, enchanté. Basile, voilà. L'accueil est chaleureux, de nombreuses personnes me saluent, parmi elles des enfants et des jeunes de mon âge. Enchanté. Ça va, oui. You have a very good feeling in the beginning. The first time I came into the congregation, everybody is coming to you and say, "Hey, hello! It's nice to see you. It's nice that you want to learn about God, and they are very interested in you, very warm." La réunion du jour rassemble les témoins de Jéhovah autour d'une de leurs publications, la Tour de Garde, qu'ils étudient ensemble. Des discours sont également prononcés et des cantiques chantés avec ardeur. Aujourd'hui, le discours prononcé par un ancien porte sur la souffrance dans le monde. Une souffrance qui aurait une origine bien définie. On parle de génocide, on parle de cruauté envers les autres, mais de manière abominable, de guerre meurtrière, aveugle, de pollution irréversible. Et si on les laisse faire, eh bien finalement l'humanité elle va détruire son propre habitat et l'humain lui-même. Ça montre bien qu'il y a quelque chose effectivement derrière tout ça. Pour les témoins de Jéhovah, le responsable de ces souffrances ne serait autre que Satan lui-même, le diable en personne. Pourquoi nous en arrivons à cette conclusion? Tout simplement parce que la Bible enseigne cela. Elle ne présente pas le diable comme étant la personnification du mal, mais comme un être malfaisant, comme une personne véritable. Le diable a beaucoup mieux vu ici son coup que Dieu. Il est partout aujourd'hui. Au cinéma, dans la pub, la bande dessinée, la vidéo, le sexe, les sites internet, le rock, les marques de bière, les parfums. Il est omniprésent, son marketing plus que réussi. The outer world is perceived by Jehovah's Witnesses as habited by devils and Satan and bad people. The outside world is bad, with bad habits, with bad thoughts. En fait, on vous dit que si vous allez dehors, il va vous arriver des malheurs, vous allez être agressé, vous allez être violé, vous allez
Enfin, c'est presque l'idée de sortir. Enfin, moi, j'ai toujours été fascinée par l'idée de vivre à Paris. Ça, c'était encore plus diabolisé. C'est non, mais tu vas aller à Paris, tu vas te faire agresser, tu vas vivre des choses immondes. En fait, tout est fait pour que le monde extérieur fasse peur et qu'on n'ait pas envie d'y aller, en fait. Et qu'on se sente en captivité, certes, mais au moins en sécurité chez les témoins de Jéhovah. Il faut le savoir, nous ne ferons pas de qu'est-ce qu'ils veulent notre paix, celle de tout le monde. Nous sommes donc en guerre, frères et sœurs, contre ce personnage. Nous sommes réellement en guerre, et la Bible parle de cela. Et lorsqu'il y a une guerre, eh bien on prend des mesures pour riposter. Tout est binaire. Soit on appartient à Jéhovah, quand on se fait baptiser chez les témoins de Jéhovah, ils nous ont demandé est-ce que vous acceptez d'appartenir à l'organisation de Jéhovah. Soit on appartient à Jéhovah, à son organisation, à la Watchtower, à cette entreprise, soit on n'y appartient pas, ou quelqu'un va mourir. Tout est binaire. Nous sommes des secouristes spirituels. Il fait bien comme mot, secouristes spirituels. C'est vrai, nous allons travailler jusqu'au bout. Nous ne savons pas jusque quand. On sait qu'on arrive tout doucement à la fin, mais nous annonçons une excellente nouvelle. C'est que le diable, très bientôt, va être mis hors d'état de nuire. Que notre planète va subir un lifting en profondeur. Qu'il va y avoir une guérison totale des maux de l'humanité. Mais est-ce que ce message n'est pas exaltant? As a child, you grow up with the ideas of that the end is coming near. That there will be a certain moment that you will be persecuted by people from the outside world. Maybe you will be killed. Dans les publications des témoins de Jéhovah, de nombreuses images illustrent d'ailleurs cette fin du monde et la colère de Dieu, y compris dans les livres destinés aux enfants. Alors, le recueil d'histoires bibliques, c'est le livre qu'utilisent encore aujourd'hui les témoins de Jéhovah pour éduquer leurs tout-petits. Ce livre, présenté comme captivant et qui aura le don de ravir les tout-petits, contient pourtant de nombreuses scènes de violence. La première fois qu'on voit un enfant, c'est ça. On a deux enfants là qui sont en train de pleurer. On tourne les pages et puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? La page suivante, on a un homme qui regarde son frère, relation de frère, l'un qui hait l'autre. Page suivante, l'homme qui met à mort son frère. On tourne la page suivante, on a quoi? On a un homme mort avec un enfant, un bébé, un nouveau-né dans les bras de sa mère qui est en train de pleurer. Ici, on a des prostituées. Ici, on a la page suivante, un homme qui égorge, qui étrangle un enfant, et là, un enfant qui pleure avec... Enfin, c'est que ça. Ça n'est que ça, le recueil d'histoires bibliques. Si vous avez des images d'enfants, je tourne deux pages, vous avez un enfant dans les bras de sa mère, et cet enfant va être tué, parce que l'eau est en train de monter, c'est le déluge, et la femme et l'enfant vont mourir. En fait, vous identifiez en permanence à ces enfants, parce que vous ne voyez que ça. C'est quelque chose qui m'a fait faire beaucoup de cauchemars quand j'étais petite. Je me réveillais au milieu de la nuit en sueur parce que je rêvais que mes petits copains étaient en train d'être tués, en fait. Encore aujourd'hui, je fais encore des cauchemars où je vois la fin du monde qui arrive et où je ne peux rien faire, en fait. Donc ça crée un sentiment d'impuissance. Et pour survivre eux-mêmes à Armageddon, les témoins de Jéhovah doivent suivre les directives de la Watchtower, une série de règles à respecter afin de ne pas décevoir Jéhovah. Chez les témoins de Jéhovah, on ne fait pas Noël, on ne fait pas les anniversaires. On ne va pas chez les copains pour faire des après-midi ou faire des goûters. Donc il y a déjà ça, il y a un sentiment en fait de solitude, de mise à l'écart. En réalité, j'étais complètement isolé. Comme famille, comme personne, je me rappelle, j'étais juste inscrit dans l'école de musique et mes parents disaient, bon, il y a des choses qui sont pour le moment beaucoup plus importantes qu'aller vers l'école de musique parce que nous sommes vraiment dans la fin du monde. Armageddon peut arriver chaque moment et il faut dire, en 1972, les témoins de Jéhovah étaient convaincus qu'en 1975, 3 ans plus tard, Armageddon était une réalité. La priorité, ce n'est pas du tout l'éducation, mais pas du tout. Si on regarde les écrits depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, il est demandé aux enfants de faire le moins d'études possible. D'ailleurs, on le voit, si on regarde un petit peu les statistiques, on voit que les témoins de Jéhovah ont les niveaux de rémunération les moins élevés parmi toutes les croyances qui peuvent exister. Il y a eu des statistiques à ce sujet-là aux États-Unis. Les revenus sont très faibles parce qu'ils ne font pas d'études.
Donc les études ne sont absolument pas un objectif. Plus on a d'études, plus on a de risques d'aimer le monde. Plus on va avoir le désir de faire une carrière. Faire carrière, ce n'est pas du tout l'objectif. Le monde va disparaître, ça ne sert à rien. Alors le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. Et entre autres choses qui se trouvent au pouvoir du méchant, qu'est-ce qu'il y a aussi? L'instruction. Donc finalement, les écoles, est-ce qu'elles poussent à aimer Dieu? C'est juste l'inverse. Donc elles disent qu'il n'existe même pas, qu'il y a de l'évolution et autres. Donc faire de hautes études, c'est vraiment un danger. C'est un petit peu comme si on donnerait un pinceau et un pot de couleur à quelqu'un qui, sur le Titanic, est en train de couler. On lui dit, tu vas repeindre le bateau. Eh bien, les études, c'est un peu ça. C'est un leurre. On va nous faire croire que ça va tenir. Hein, il y a deux bateaux, celui de Jéhovah, celui de Satan. Et finalement, ben, si on met le pied entre les deux, ça va être difficile. Et si on prend carrément le bateau de Satan, ben là, on ne va pas dans la bonne direction. Quand je regarde ma vie, le moment que j'avais 18 ans, j'étais complètement préparé pour devenir ingénieur civil. Et juste au moment que je voudrais commencer à m'inscrire dans l'université de Gand, j'ai fait même mon examen d'entrée. Il y avait quelqu'un de chez les témoins de Jéhovah, un responsable, un surveillant de circonscription qui me visitait et disait « Patrick, une complète conversation, mais je me rappelle les mots. Est-ce que vous savez l'expliquer à Dieu pourquoi tu as choisi d'aller à l'université et perdre le temps de sauver les vies de personnes autour de toi ?» Et je ne pouvais pas. Pourquoi aller à l'université pour créer un vie qui est basé sur le monde autour de nous qui va être détruit par Dieu. Mais il y en a quand même beaucoup qui nous ont suivis après. Michel et Jean-Marie Bastin ont quitté les témoins de Jéhovah après 25 ans passés au sein du mouvement. Ils décrivent également une vie dictée par l'organisation et faite de restrictions. Il fallait être conforme à tous les enseignements des témoins de Jéhovah. Répondre dans notre vie de tous les jours, dans nos, on ne va pas dire jugements, mais nos choix, toujours en se disant, tiens, et si Jésus était là, qu'est-ce que je ferais? Les versets bibliques qui accompagnent ça, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je suis bien dans le droit? Il fallait quasiment s'examiner tous les jours pour être conforme, pour être un jour accepté lorsque Armageddon allait venir. Et c'est l'arbre de la famille. Alors qu'ils sont encore témoins de Jéhovah, la vie de Michel et Jean-Marie bascule du jour au lendemain. Ils perdent deux de leurs enfants dans un accident de la route, un événement tragique qui conditionnera leur mode de vie. L'histoire de la résurrection, le paradis sur terre, ça nous a aidés, je vais dire, d'y croire, parce qu'on croyait les revoir dans le paradis sur terre. Chaque pas, chaque décision, chaque comportement devait être correct pour qu'un jour, quand Armageddon allait arriver et que les enfants allaient revenir, eh bien, on soit accepté de l'autre côté pour les reprendre dans nos bras. Être obéissant, voilà quelque chose qui est difficile à faire. Être obéissant. Et pourtant, vous êtes d'accord avec moi que l'organisation, de plus en plus, insiste sur le fait d'être obéissant, d'écouter ce qu'on nous dit, parce qu'il en va de notre vie. Et lorsqu'il interviendra, celui qui n'a pas pris la bonne habitude d'être obéissant sera-t-il prêt ? Obéir sans réfléchir et se soumettre, un message que diffuse l'organisation, jusque dans des vidéos adressées aux enfants. Est-ce que c'est un jouet magique? Caleb, qui aime la magie? Jéhovah ou Satan? Satan. Oui, la magie c'est mal. Et donc Jéhovah déteste ça. Tu veux vraiment jouer avec un personnage que Jéhovah déteste? Si toi, tu désobéis à Jéhovah et que tu préfères jouer avec des jouets qu'il déteste, tu crois que Jéhovah, ça va lui faire plaisir ou qu'il sera triste? Triste. Oui. Tu veux que Jéhovah soit triste? Non! Je vivais avec la peur perpétuelle de ne plus avoir l'amour de mes parents. Donc ça, c'est quelque chose qui m'accompagnait tout le temps.
Je me disais toujours, il faut que tu fasses bien les choses parce que sinon tu ne mériteras pas l'amour de tes parents. C'est vraiment ça, c'était mériter l'amour de mes parents, alors que normalement l'amour de ses parents, on l'a et on l'a pour toute sa vie. Quand je faisais des bêtises, mes parents n'hésitaient pas à me corriger physiquement. Enfin voilà, j'ai pris pas mal de fessées, des claques, des coups de martinet, il n'y avait pas de demi-mesure en fait. C'est dès qu'il y avait une bêtise, c'était une correction immédiate. Je veux pas que Jéhovah soit triste à cause de moi. Moi aussi, je veux que Jéhovah soit content de toi. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire de ce jouet? C'est bien, Caleb. Je suis vraiment fière de toi. Papa et maman, tu sais, ils t'aiment. Tu sais aussi qui d'autre t'aime? Jéhovah! Oui! Jéhovah est content de toi parce que tu l'aimes et lui obéis, Caleb. Cette vidéo, je l'ai montrée à André Frédéric. Député fédéral, il est l'une des principales figures de la lutte anti-secte en Belgique. Voilà, un exemple parmi d'autres des vidéos qu'on retrouve sur le site internet. Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est dramatique. C'est dramatique parce que c'est l'inverse de l'essence même de l'éducation et de la formation, où un enfant, on doit l'éduquer à être un adulte, responsable, acteur et citoyen de la société dans laquelle il vit, et ici on en formate un adulte de demain qui va avoir comme seul cadre de référence la conviction, contestable à mes yeux, de ses parents. Socialement, par rapport à son contexte scolaire, ça l'isole complètement aussi, hein, parce que c'est évidemment terrible. C'est une forme de manipulation mentale qui est détestable. Hein. C'est dire, pour faire plaisir à une conviction, ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas bien de faire ça, ce n'est pas bien d'avoir un jouet. Enfin, je veux dire à un gosse que ce n'est pas bien d'avoir un jouet, il faut déjà avoir une vision de la société, de l'éducation qui est un peu étriquée. Ou avoir soi-même des problèmes identitaires. Assemblée régionale annuelle à Marchamps-Famène. Pendant 3 jours, plus de 6000 témoins de Jéhovah et sympathisants se rassemblent ici. 3 journées de discours, de vidéos et de cantiques sur le thème du courage. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Parce que vous n'avez laissé rien ni personne vous empêcher de devenir la vie. L'occasion aussi pour une 20aine de personnes de se faire baptiser. Parmi elles, de jeunes adolescents. En s'immergeant dans cette piscine, ils deviennent officiellement témoins de Jéhovah. Ils acceptent alors de se plier aux règles de l'organisation, des règles rappelées tout au long de cette assemblée, comme ici concernant les fréquentations que l'on peut avoir. C'est pourquoi nous devons choisir avec sagesse ceux que nous fréquenterons. Soyons prudents, par exemple, quand nous décidons combien de temps nous allons passer avec des membres de la famille qui ne sont pas croyants. Certains chrétiens ont jugé ou jugent peut-être utile de passer beaucoup de temps avec des membres de la famille qui ne servent pas Jéhovah. Espérons ainsi les aider à accepter la vérité. Mais ce raisonnement est-il sage et est-il conforme aux Écritures? Est-ce que vous aviez des amis en dehors des témoins de Jéhovah, notamment quand vous étiez peut-être enfant? Est-ce que vous aviez des amis à l'école? On peut avoir des bons contacts, mais pas des amis. Nous sommes chez les témoins de Jéhovah, les gens sont découragés d'avoir contact avec les gens dans le monde qui ne croient pas en Jéhovah. Il nous empêche même de tisser des relations avec les gens, parce que selon les témoins de Jéhovah, il faut faire attention même aux personnes qui sont gentilles, parce que c'est peut-être une façon pour le diable de nous attirer vers le monde. Le système est fait pour qu'on se mette naturellement à l'écart et qu'au final les autres aussi nous mettent à l'écart. Et comme ça, ça évite qu'on ait des relations à l'extérieur qui nous permettraient de se rendre compte que on est au sein d'une secte et que tout ne tourne pas rond et que rien n'est normal en fait. Cet isolement progressif, je vais pouvoir l'observer durant l'assemblée avec une rencontre quelque peu inattendue. Je tombe nez à nez avec une connaissance de l'université. Jusqu'ici, j'ignorais totalement son appartenance aux témoins de Jéhovah. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Moi,
moi ça fait quelques mois que... C'est vrai. C'est trop marrant. Quelques mois que tu reviens. Ouais, ouais. Donc je sais que je découvre un peu. Après être parti de l'organisation, cette connaissance vient de revenir chez les témoins de Jéhovah depuis maintenant un mois. Je cherche alors à comprendre ses motivations. Je sais pas si tu as ressenti ce vide. Moi, je me dis, ouais, d'avoir un boulot, d'avoir une voiture, une famille, mais il manque ma vie. Il manque un truc, mais moi, j'étais plus du fort, j'étais vraiment dans ma vie où j'avais trop pleuré. Je pleurais tout le temps, tu vois, avec les soirées et tout. Après, quand tu reviens dans le monde, tu te fais, mais comment est-ce qu'on peut se laisser, comme ça, aller à la mort, sans aucune réponse, sans aucune question? Moi, ça, je me disais. Je suis content d'avoir connu Jéhovah maintenant parce que je vais arrêter les bêtises, quoi. Vraiment. Et je vais pouvoir commencer à vivre. Je sais pas si. Peut-être que tu auras ce déclic-là. Moi, j'ai l'impression de commencer à vivre maintenant. Tout ce qu'il y avait avant, c'était des expériences qui m'ont aidé, mais j'y vais pas vraiment, quoi. Tu te confies pas vraiment aux gens. Moi, je peux dire à n'importe qui, ouais. J'arrête ça, et je leur dis vraiment, tu vois. Perdu de vue depuis plusieurs mois, je retrouve quelqu'un de métamorphosé, prêt à endosser une nouvelle vie conforme aux témoins de Jéhovah. Il y a un verset où il faut faire attention un peu malsaine, tu vois. Oui, mauvaise fréquentation. J'ai plein de potes dans la vie, quoi, dans le monde. Enfin, il faut toujours tourner ta conscience à toi, en fait, ta conscience, tu vois. Ah, par exemple, les mangas que je regarde, je vais devoir arrêter, quoi. Parce que c'est des démons et des bazars et des... Donc voilà. Ça te dérange pas? Hein? Ça te dérange pas d'arrêter? Ah, c'est super dur, mais j'ai déjà dit. En fait, pour l'instant, j'y vais doucement parce que j'ai déjà dit au revoir à tellement de choses. Ma copine. Plein d'autres trucs personnels, je sais pas. Ouais, je peux te le dire en fait. Hein. Tu vois aussi voilà, la masturbation. J'ai aussi dit au revoir à tout ça. Like. En fait, j'ai retiré pas mal de choses. Il reste plus que les séries et les films. Là, je me dis, je le ferai après. Mais dès que je vois une scène chelou, je la passe. Mais bon, parce qu'il y a plein de trucs. Chez les témoins de Jéhovah, il est fortement déconseillé de regarder la télé. Donc toutes les séries télé, les dessins animés sont pas vraiment permis. Tout ce qui va être de la perte de temps, en fait, tout ce qui va être de l'amusement, parce que c'est du temps qu'on pourrait consacrer à servir Jéhovah. Donc les divertissements sont très très contrôlés. On peut pas sortir en boîte quand on est jeune, par exemple. En gros, on avait parfois des après-midi récréatives entre jeunes témoins de Jéhovah qui tournaient autour de jeux de société avec un jus d'orange, quoi. C'était le maximum de l'amusement qu'on pouvait avoir chez les témoins de Jéhovah. Comment nous sentons-nous après avoir passé un moment agréablement douteux, après avoir quelque chose de douteux? Nous avons une bonne conscience de notre relation avec Jéhovah. En résumé, les divertissements malsains affaiblissent notre détermination à faire ce qui est bien, affaiblissent donc nos relations avec Jéhovah, et donc affaiblissent notre courage. Qu'est-ce qui peut m'apprendre l'aumône, l'accélérer, la prédication? Élément essentiel chez les témoins de Jéhovah, la prédication rendrait donc plus courageux selon cet orateur. Au total, l'organisation revendique plus de 2 milliards d'heures de prédication dans le monde, rien que pour l'année 2017. Principalement du porte-à-porte et des témoignages en rue, mais les membres sont aussi encouragés à prêcher au travail, à l'école ou par téléphone. Tous les moyens sont bons pour témoigner de la bonne nouvelle. C'est quoi ça? C'est mon livre préféré, il s'appelle Le Grand Enseignant. Oh, je pourrais le lire. Si tu veux. C'est quoi l'objectif principal de la prédication? De faire des adeptes. Alors, dit comme ça, ça fait un peu bizarre. Pour les témoins de Jéhovah, c'est pas de faire des adeptes, ça fait un petit peu négatif comme terme, c'est de sauver des gens. Plus on va voir de gens, plus on a de chances d'en sauver avant que Jéhovah n'intervienne lors de la guerre d'Armageddon. Donc c'est un travail de préservation de l'humanité. Mon premier souvenir, j'avais 6 ans. Je commençais donc à peine à lire. Et pour là, je ne sais combien de fois, j'accompagnais mon père en porte-à-porte. Et mon père me dit à un moment donné, Alexandre, c'est à ton tour. Donc il m'a donné le périodique dans la main et il m'a dit, la prochaine porte, elle est pour toi. Et donc il m'a fait répéter, on a fait une prière ensemble et puis on a frappé à la porte. La porte s'est ouverte, c'est un grand monsieur, je m'en souviens encore, qui a ouvert.
Et ce grand monsieur, j'ai commencé à lui expliquer qu'on faisait une œuvre de témoignage, etc., et qu'on proposait ce périodique qui, à l'époque, était payant. Et cet homme a regardé mon père, l'a traité de salaud, et lui a dit que c'était honteux d'utiliser comme ça les enfants. La prédication, un exercice auquel chaque témoin de Jéhovah doit s'appliquer, une réunion hebdomadaire y est d'ailleurs consacrée, l'école du ministère théocratique. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Aujourd'hui, en fait, je prends un petit peu de mon temps pour discuter avec les personnes que je rencontre. Des mises en situation sont faites afin d'apprendre aux adeptes à bien s'exprimer et à trouver les arguments justes pour convaincre. Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. Je peux revenir une prochaine fois pour répondre à la question « Quelles prophéties bibliques se sont réalisées aujourd'hui ?» Oui, avec plaisir. Je ne sais pas quand est-ce que je peux repasser. En moyenne, un témoin de Jéhovah consacre 10 heures par mois à la prédication, un chiffre qui peut cependant rapidement monter si l'adepte le souhaite. Certains décident même de consacrer leur vie entière à l'organisation. Nous sommes à Louviers, en France. Ici, 350 témoins de Jéhovah habitent dans ce qu'ils appellent un Bethel, siège national du mouvement. Un endroit ouvert aux visiteurs, je décide donc de m'y rendre et de filmer discrètement. Merci. Durant 2 heures, je découvre les installations du Bethel, des bureaux, un salon de coiffure, un réfectoire ou encore un auditorium. C'est une véritable vie en communauté qui se crée ici, où chaque Bethelite a une fonction bien définie, avec, encore une fois, certaines règles à respecter, comme celle de ne pas avoir d'enfants. Alors on ne peut pas avoir d'enfants au Bethel, parce que le Bethel c'est fait pour avoir sa priorité dans la vie pour l'organisation. Le Bethel c'est vraiment, on dit Jéhovah c'est notre père, l'organisation c'est notre mère. Bah, quand on est ici, on voit vraiment notre maman en fait, qui prend soin de nous, qui nous aide sur beaucoup de choses. Oui. Mais après c'est vrai que la vie au Bethel c'est pas fait pour fonder une famille. Et les Bethelites, comment ça fonctionne? C'est des salariés? Non, on est bénévole. Donc en fait, on n'a pas de salaire. Mmh. On a vraiment juste un petit pécule pour nos dépenses personnelles, l'essence, le vêtement ou ces choses-là. Mais sinon, on est entièrement bénévole. Mais après, tu vois l'organisation qui prend soin de toi. Parce qu'on a une lingerie, donc ils peuvent nous aider pour nos vêtements. On a la salle à manger qui nous aide pour le repas. Donc, et on habite sur place, donc on n'a pas de loyer à payer. Oui, c'est ça, il n'y a pas de dépenses pour non, pas ça. De nécessité d'un salaire. Puis ce qui est beau, bah, comme quand tu es dans le service aussi à plein temps, quand tu financièrement, des fois tu es un peu juste, tu vois toujours la main de Jéhovah. Mmh. Et c'est impressionnant comme au Bethel, on voit aussi la main de Jéhovah. Le Bethel de Louviers, c'est aussi l'endroit où est organisée et soutenue la prédication des témoins de Jéhovah sur le territoire français. Chaque personne a son importance dans la prédication. Un enfant, bah, des fois, les personnes ne pourront pas lui refuser. Non. Mais du coup, la vérité sera rentrée. Une personne âgée, devant les cheveux gris, certains ne pourront pas dire non. Ouais. Donc, ils vont dire, bah, même s'ils ne sont pas intéressés, mais ils vont dire oui, on ne sait pas ce que ça fait après. Une personne handicapée, elle aura son atout aussi de pouvoir donner le témoignage. Bien sûr. Les jeunes, un dynamisme, un peps ou quelqu'un qui, voilà, qui a envie de faire partager ce qu'il connaît, il aura quelque chose à partager. La priorité est avant tout de faire connaître et de respecter les enseignements de la Watchtower, une mission pour laquelle les témoins de Jéhovah sont parfois prêts à tout. Tout, oui, je crois que j'étais prêt à tout. J'ai souvenir quand j'étais en prédication, à un moment, j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans d'ailleurs, je crois. J'étais visé, comment on dit, oui, visé, c'est ça, par une carabine, en pleine campagne, un campagnard avec une carabine. Sur le front, je l'avais à quelques dizaines de centimètres. Je n'ai pas eu peur, mais je me suis dit, si c'est la fin, je l'aurais fait pour Jéhovah. Donc maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis j'étais vraiment tordu à l'époque. Hein. C'est terrible d'en arriver là. Mais oui, le témoin de Jéhovah est prêt à tout. Le témoin de Jéhovah est prêt à tout. Il est prêt à laisser mourir son enfant pour avoir refusé une transfusion sanguine. Et ça, les médias le rapportent régulièrement. Il y a une idée de kamikaze. Mourir parce qu'on a refusé la transfusion de sang. Waouh ! Il n'y a pas au-dessus. Moi, je me souviens en 2001, quand j'ai quitté les mouvements, au mois de septembre, je crois, 2001, il y a un jeune homme, Rémi, ça a fait le tour de la presse à l'époque, qui a refusé la transfusion de sang. Sa mère, qui était témoin de Jéhovah, était à son chevet, lui disait de tenir bon. Et son père, qui n'était pas témoin de Jéhovah,
lui disait « Mais accepte la transfusion, tu le sais, c'est la seule chose qui puisse permettre de te sauver. » Cet homme a été chassé par les anciens qui lui ont dit de sortir du lit de la chambre où était son fils. Cet homme s'est retrouvé interdit d'aller auprès de son fils. Cet homme, à ma connaissance, ça a été attaqué en justice. C'est le dernier acte qu'a eu Rémi. Il a porté plainte contre son père pour harcèlement. Et Rémi est mort parce qu'il a refusé la transfusion de sang. Et quand j'ai raconté ça à mon père, moi, c'était juste avant d'être excommunié, avant qu'il n'accepte cette excommunication, mon père m'a dit « Mais j'aimerais avoir la même fidélité, la même force que Rémi. » C'est quelque chose de totalement normal pour eux. Dans cette publication datant de 1994, des jeunes sont d'ailleurs élevés au rang de martyrs pour avoir accordé la priorité à Dieu et avoir refusé une transfusion sanguine. L'organisation encourage les autres témoins à suivre ces modèles de courage qui ont donné leur vie pour Jéhovah. La désobéissance, elle, n'est pas une option. Les témoins de Jéhovah sont d'ailleurs encouragés à dénoncer leurs semblables en cas de faute. On est en permanence épié. Il y a un espionnage qui se fait en permanence. On est épié par les autres membres de la congrégation qui s'assurent qu'on ne fait pas quelque chose de mal. Parce que sinon, le réflexe, c'est d'aller voir les anciens. Ça va très très loin parfois parce que, à titre d'exemple, les témoins de Jéhovah ne respectent pas le secret médical. Vous pouvez avoir une infirmière qui, dans un hôpital, va rentrer dans une chambre, voir qu'un témoin de Jéhovah est transfusé. Elle va avoir l'obligation de contacter les anciens de sa congrégation pour lui dire que telle ou telle personne est transfusée. Et un médecin, dans le secret professionnel, va entendre quelque chose, va apprendre qu'il a contracté une hépatite en ayant une relation sexuelle hors mariage. Il va aller voir les membres de sa congrégation. Donc on est épié en permanence par tout le monde. Il n'y a aucun secret qui puisse exister puisque l'autorité suprême, c'est l'organisation de Jéhovah. On vous explique que si jamais vous constatez que l'un de vos frères et sœurs commet un péché, si vous ne le dénoncez pas, si vous en êtes témoin et que vous ne le dénoncez pas, vous êtes coupable de du même péché au même titre que lui. Et pour préserver l'ordre de la communauté, un groupe d'anciens est d'ailleurs présent dans chaque congrégation. Exclusivement réservée aux hommes, cette responsabilité est synonyme pour les témoins de Jéhovah de grande sagesse spirituelle. L'ancien, il est là d'abord pour veiller à ce que les doctrines soient bien appliquées au niveau local. Donc l'ancien reçoit toutes les semaines des courriers du siège national disant à partir de ce jour, il doit être fait ça. S'il y a un cas de pédophilie, il faut que ce soit remonté à telle personne au niveau du siège national. S'il y a quelqu'un qui est vu en train de faire ça, il faut appliquer telle procédure. Donc ce sont vraiment les anciens qui sont chargés de suspecter quelque part tout le monde de faire des choses mauvaises. Chaque membre est une brebis de nos enfants. Et ce n'est pas nos brebis, c'est les brebis de Jéhovah. Donc on doit prendre soin de la congrégation. Hein, il ne faut pas oublier, chaque membre de la congrégation, chaque brebis, est un être humain imparfait. Et certains ont besoin d'être conseillés, d'autres ont besoin parfois d'être redressés, si c'est nécessaire. Hein, alors parfois c'est simplement la congrégation, on reçoit nous-mêmes des directives que nous devons appliquer pour la congrégation. C'est un travail important. Patrick a lui-même été ancien pendant 25 ans. Aujourd'hui, il dénonce le pouvoir que détiennent ces personnes au sein des congrégations. On pense, voilà, je suis béni par Jéhovah, c'est vraiment Jéhovah qui m'utilise pour aider des gens, hein, parce que de plus en plus fort, on sent qu'on a une certaine influence sur la manière de penser, la manière d'agir des gens autour de toi. Obéissez à ceux qui vous dirigent, soyez soumis. Ce qui sous-entend, céder, même si on n'est pas d'accord. Vous savez, il n'y a rien de pire pour un professeur d'école que d'avoir une classe avec des élèves qui n'en font qu'à leur tête. La rébellion, qu'elle se traduise dans son état d'esprit ou dans son comportement, est généralement un symptôme, écoutez bien, de faiblesse spirituelle, de manque de connaissances exactes et un manque de relations étroites avec Jéhovah. Je regrette de dire que j'étais un manipulateur énorme.
mais sans savoir que je faisais ça. On faisait des choses sans savoir qu'est-ce que j'ai fait. C'est en regardant en arrière que je me doute, voilà, ça c'est que ouais, j'ai fait du mal. Et j'ai visité des gens pour m'excuser, pour dire, voilà, je vais m'excuser pour les choses que j'ai fait dans votre vie. Mais j'espère que vous comprenez qu'il s'agissait d'une indoctrination. Et si j'étais à nouveau dans la même position, c'est quelque chose que je ne répéterai jamais. Voilà, ça c'est le livre que moi j'ai toujours utilisé comme ancien chez les témoins de Jéhovah. Comme chaque ancien, Patrick suivait les directives que lui donnait l'organisation, grâce notamment à ce livre confidentiel réservé uniquement aux responsables des congrégations. La plupart des instructions, il s'agit comment agir si quelqu'un fait quelque chose de fautif. On parle par exemple des relations sexuelle, orale, anale, masturbation, homosexualité, de l'amour lesbienne, allez, chaque élément est inclus dedans. Moi, quand je regarde tout ça, je dis toujours, Dieu a beaucoup d'intérêt dans les gens et surtout le moment qu'ils sont nus. La sexualité, un autre domaine étroitement régulé par la Watchtower, soucieuse de préserver la pureté de ses adeptes. La sexualité chez les témoins de Jéhovah, c'est assez particulier parce que ça se résume en un mot, rien. Rien n'est accepté hors la sexualité entre un homme et une femme mariée et uniquement vaginale. Tout le reste est interdit. Et aujourd'hui encore, tout le reste est interdit. Petite question, qu'est-ce qui a incité certains anges à abandonner leur demeure céleste? Question simple, un désir sexuel impur. Qu'est-ce qui pousse à Jéhovah à tuer 23 000 Israélites peu avant l'entrée en terre promise? Un désir sexuel impur. Quel est le sujet qui revient le plus souvent en rapport avec l'excommunication? Un désir sexuel impur. Comme quoi, ce piège, cette arme du diable est redoutable parce que nous sommes des humains et que la sexualité fait partie de la vie des humains également. C'est Jéhovah qui l'a mis en place, donc c'est pas quelque chose de malsain en soi, mais Satan l'a tellement contourné ou modifié qu'aujourd'hui on peut vraiment parler d'immoralité. Dans ce livre destiné aux jeunes, plusieurs chapitres sont consacrés à la sexualité. Les adolescents y sont invités à résister face aux désirs sexuels impurs, parmi lesquels la masturbation, une pratique décrite comme entretenant un état d'esprit malsain et égocentrique. Le jeune est ainsi encouragé à surmonter sa culpabilité et à bannir cette habitude. Les témoins de Jéhovah sont conscients que la masturbation, en fait, naît des désirs sexuels tout à fait naturels. Donc le désir sexuel est naturel, il n'y a rien à dire dessus. Mais c'est le fait de ne pas pouvoir contrôler son corps que les témoins de Jéhovah n'aiment pas du tout. Pour les témoins de Jéhovah, on contrôle son esprit, on contrôle son corps. Si on se masturbe, c'est qu'on n'est pas capable de maîtriser son corps. Et donc c'est un péché. Frédéric a passé 33 ans de sa vie chez les témoins de Jéhovah. Durant ce temps, il cachera son homosexualité à sa famille et à ses amis. Qualifié d'appétence perverse et satanique en 1983, l'homosexualité est en effet interdite au sein de l'organisation. Donc une appétence perverse et satanique, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas un problème d'attirance naturelle, c'est une idée du diable. Et à partir de là, et ben, il faut que les gens se débarrassent de cette idée. C'est un petit peu comme le voleur ne doit pas voler, l'homosexuel ne doit pas être homosexuel. Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que l'homosexualité se soigne pour les témoins de Jéhovah? L'homosexualité se soigne. Alors pour eux, c'est à coup de prière et puis l'étude de la Bible. Mais d'une façon générale, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans la vie. Et ça, vous en êtes convaincu quand vous êtes, vous, témoins de Jéhovah, jeune? Ben, on est convaincu, tout à fait. On est convaincu que tout ça, l'aide, si on s'investit beaucoup dans le développement de l'organisation des témoins de Jéhovah, si on prie beaucoup, si on prêche beaucoup, on est convaincu qu'un jour cette homosexualité va disparaître. Qu'en fait, c'est juste un moment passager de l'adolescence. Et puis, on continue, puis on se rend compte que ça passe pas, les années passent, rien ne passe. Et puis, en fait, on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Alors, on ne se dit pas, ah, les témoins de Jéhovah avaient tort. Non, le premier réflexe, c'est moi qui ne fais pas les choses correctement. Et on continue, jusqu'au jour, bien sûr, où on découvre que l'homosexualité n'a rien d'une maladie ou d'une idée satanique. Et d'une façon générale, le témoin de Jéhovah n'est pas censé être homosexuel. Dès lors qu'il étudie la Bible, qu'il prêche, au bout d'un moment,
il ne peut plus être homosexuel. S'il est toujours homosexuel, c'est qu'il y a un problème. S'il le reste, dans ce cas-là, soit il n'est plus témoin de Jéhovah, et s'il n'est plus témoin de Jéhovah, il sera détruit à Armageddon. Mais il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça, et des incompréhensions surtout. Puisque l'homosexualité n'est pas un état, c'est une habitude dont on peut se défaire. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah continuent à condamner l'homosexualité, comme dans cette vidéo faite pour les enfants. Regarde, maman! À l'école, j'ai dessiné notre famille. Waouh! Je n'ai pas eu le temps de finir le visage de Caleb. Chloé a dessiné deux mamans. Elle m'a dit qu'elles sont mariées. Ma maîtresse, elle dit que le plus important, c'est que les gens s'aiment et soient heureux. Tu sais, chacun a son idée de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais le plus important, c'est ce que Jéhovah pense. Il veut qu'on soit heureux et il sait comment on peut être encore plus heureux. C'est pour ça qu'il a créé le mariage comme décrit dans la Bible. Tu veux dire un homme et une femme ? Tout à fait. Matthieu 7, 13 et 14 parlent de la route qui mène au paradis. Pour y arriver, Jéhovah nous dit d'abandonner certaines choses. En fait, c'est tout ce que Jéhovah n'accepte pas. J'aimerais que tout le monde aille au paradis. Jéhovah aussi. En plus, tout le monde peut changer. C'est pour ça qu'on prêche aux gens. Si un témoin de Jéhovah refuse de changer et continue à enfreindre les règles de l'organisation, il peut être menacé d'excommunication. Les anciens forment alors un comité de discipline religieuse pour le juger. Céline a déjà été témoin de l'un d'eux dans une affaire de relations extra-conjugales. Ils ont fait vraiment comme un tribunal. Alors, ils commencent par une prière, mais il y a vraiment trois personnes qui sont mises comme ça, autour d'une table, et les autres personnes, les témoins, sont mis sur le côté. Et alors là, ils posent la question vraiment... je pense que le film pornographique à côté est encore moins hard que ça. Et si la personne commence à pleurer, on croit qu'elle se repent, alors elle peut être absoute d'être excommuniée. Mais la manière dont ça se fait, je pense que ce n'est pas digne d'un humain. Le but, c'est vraiment que la personne qui a fauté s'écrase en fait, devant les autres personnes qui sont là. Les anciens doivent suivre les règles. Ce n'est pas comme dans un système judiciaire comme on le connaît dans le monde normal. Les trois sont là, pas pour défendre quelqu'un. Il n'y a pas de défense, il n'y a pas un avocat qui va aider le malfaiteur. Il n'y a pas une seule personne qui dit « moi je suis le juge », il n'y a pas quelqu'un qui dit « moi j'ai constaté ça ». Non, 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 non. On a pris contact avec des témoignages, des gens qui ont constaté, et le moment qu'il y a deux personnes qui ont constaté qu'un certain fait s'est apparu, c'est déjà prouvé. Il ne faut que vérifier est-ce que la personne regrette ce qu'il a fait ou pas. Bah, excommunier, c'est généralement quand tu es non repentant. C'est-à-dire que, si, par exemple, je prends un exemple, il regarde la pornographie, mais il trouve que c'est pas bien. N'est-ce pas ? C'est justement, il trouve qu'il y a rien de mal, il ne faut pas le laisser dans la congrégation, parce que, pas parce qu'on ne veut pas que je le sauve, mais parce que sinon, il risque d'entrer les bêtes sur les soeurs avec lui. Et pour préserver la congrégation, des mesures sont mises en place à l'égard des excommuniés. L'un des membres du collège, du comité, va sur l'estrade et explique lors d'une réunion à toutes les personnes présentes qu'il ne faut plus parler à cette personne. Elle est excommuniée, exclue. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les membres de sa famille qui sont témoins de Jéhovah, que ce soit ses frères et sœurs, ses parents, ses enfants, tous ses amis, puisqu'on a le droit, entre guillemets, d'avoir des amis que dans l'organisation, tout s'arrête. Du jour au lendemain, plus personne ne nous connaît, on ne nous dit même plus bonjour, on ne mange plus avec nous, tout s'arrête du jour au lendemain. Cette mise à l'écart, Frédéric l'a connue pour avoir mis en doute les enseignements de la Watchtower. Lui a été excommunié, sa femme Céline s'est quant à elle retirée volontairement de l'organisation, un geste qui lui vaut cependant le même traitement que les excommuniés. C'est fini, on n'a aucun contact. On est comme si on n'existait pas, c'est vraiment un rejet total, quoi. Ouais. C'est malheureux, alors quand tu vois que ces personnes, tu les as aidées, accompagnées, passées des moments ensemble, ouf. Tu te dis, cet amour n'est pas inconditionnel, quoi. C'est un amour conditionné. Hein.
Michel a également quitté les témoins de Jéhovah, accompagné de son mari et de l'une de ses enfants, Aurore. C'était il y a 20 ans. Sa fille aînée, elle, est restée au sein de l'organisation. Depuis, celle-ci a rompu tout contact avec sa mère. C'est une grande douleur pour moi. On s'habitue à tout, mais il n'y a rien à faire. Une maman, quand elle a eu un enfant dans son ventre et qu'elle lui a mis au monde et qu'elle lui a donné plein de choses, cet enfant-là, on ne sait pas l'oreiller, on ne sait pas faire un deuil. Et c'est un réel traumatisme, parce que, au fil du temps, on espère, on continue à espérer, revoir, rabibocher, etc. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. À quelques reprises, Michel a pu revoir sa fille ces dernières années, des retrouvailles qui, la plupart du temps, se sont mal terminées. Elle m'a embrassée, je lui ai caressé les cheveux, c'était un moment vraiment intense. Et alors, elle m'a dit au revoir, j'ai pris la voiture, j'ai démarré, au premier coin, j'ai téléphoné à mon mari et à Aurore. Et je lui ai dit, j'étais... Il fallait revenir, jusque du bruit, enfin, bah, peu importe. Quand je suis rentrée, je leur ai raconté, etc. Et le lendemain, le téléphone sonne. Et elle me dit, maman ne vient jamais plus me voir. Je vais encore en avoir pour des jours et des jours à me taper la tête contre les murs et à faire des cauchemars. Ne viens jamais plus me voir. Ah, voilà. Voilà. Si vous pouviez lui dire quelque chose aujourd'hui, vous lui diriez quoi? Avant qu'on quitte. Ben, je lui dirais que tout ce qui s'est passé entre nous depuis qu'on a quitté les témoins de Jéhovah, entre elle et moi, tous les chagrins, toutes les douleurs, toutes les séparations, tout, je ne veux plus en vivre. Ça me rend malade et j'ai envie de vivre encore quelques années en paix. Je l'aime, je ne saurais pas faire autrement que de l'aimer, mais je ne peux plus accepter de souffrir comme ça. Je suis fort malade, physiquement très malade. Je ne veux pas continuer à aggraver ma santé. J'ai envie... C'est sûr, qu'est-ce que je ferais si elle se présentait à la porte? Je n'en sais rien. Mais je ne saurais pas détester mon enfant. Mais je veux qu'elle me respecte dans ma demande à moi. Ce n'est plus elle qui dit aujourd'hui, ne viens plus me voir. C'est moi qui lui dis. Parce que je veux me respecter, parce que... Je veux aller de l'avant, je veux vivre les quelques années qui me restent. Je ne sais pas combien il en reste, mais j'ai envie de les vivre et c'est déjà très difficile comme ça. On avait aussi des cartes de soutien, tu vois, quand on était... C'est ma maman qui me l'a envoyé. C'était, je pense, vraiment très peu de temps avant que je donne ma lettre de démission. Parce qu'après, elle a dit qu'elle ne voulait plus me parler ni rien. Et donc, elle a mis deux versets bibliques avec un berger qui récupère. Donc, chez les témoins de Jéhovah, on dit qu'il y a, quand il y a 100 brebis, et il y en a 99 qui vont bien, mais il y en a une qui ne va pas bien, et le berger va aller chercher celle qui ne va pas bien. Et donc, elle met cette photo pour dire ça, c'est moi. Et puis après, une chose importante à ne pas oublier, elle dit l'amour d'une mère pour sa fille unique. Voilà, ta maman qui t'aime très fort pour toujours. C'est pas ce qu'elle m'a dit après. Après, elle m'a dit, si tu n'es plus témoin de Jéhovah et que tu donnes ta lettre de démission, bah voilà, je ferai ce qu'on m'a dit, c'est que je ne te parlerai plus. Il y a un jour où j'ai voulu les appeler pour les voir, où mes parents m'ont dit, écoute, Marie-Laure, tu es morte. Pour nous, tu es morte en fait, on ne veut plus jamais te voir. Ça a été très violent pour moi. J'étais en couple à l'époque. Une quinzaine de jours après, j'ai eu une grosse dispute avec mon compagnon de l'époque. Il y a un soir en fait où j'ai fait une tentative de suicide. Et quand j'ai repris mes esprits après cette tentative de suicide, je me suis dit il faut que j'arrête. Je suis en train de m'acharner pour quelque chose d'inutile. La vie doit continuer, ça fait mal, c'est insupportable, mais ils reviendront pas en fait. Enfin, j'arriverai pas à les faire sortir de là, j'arriverai pas à les raisonner, je n'aurai jamais de rapport avec mes parents, j'aurai jamais de rapports normaux et il faut que je commence à faire mon deuil de ma famille en fait.
Si leur enfant est excommunié, comment des parents chrétiens montreront-ils qu'ils obéissent à Dieu? Alors ça, c'est une, faut le reconnaître, hein, quelque chose de douloureux pour les parents. Mais que devraient-ils faire selon les principes de la Bible? Bien, l'excommunication est une discipline que Jéhovah a prévue lui-même. Or, on sait qu'il veut que tout le monde ait la vie éternelle, donc il ne veut pas exclure personne de son projet. Donc s'il a prévu cette discipline, c'est dans le but que la personne se réforme. Et si nous suivons ses instructions, bien, c'est ce qui arrivera probablement. Par contre, si nous luttons contre la volonté de Jéhovah, bien, il ne pourra pas nous aider non plus à faire revenir la personne excommuniée. C'est comme si on commence un jeu, il y a des règles bien précises, et alors les parents qui ne respecteraient pas les principes de Jéhovah, ils ne respecteraient plus les lois du jeu, c'est-à-dire qu'ils changeraient les règles du jeu en cours de route. Ça n'irait pas. Donc les règles du jeu sont établies au départ, on les connaît, tout le monde les connaît, et donc on joue selon ces règles-là. En fait, quand on est chez les témoins de Jéhovah, c'est quelque chose qui semble d'une logique implacable. Voilà. Enfin, en même temps, on explique aussi qu'en coupant les ponts avec la personne qui se retire des témoins de Jéhovah, on va créer chez elle une souffrance tellement énorme qu'elle aura forcément envie de revenir. C'est particulièrement cruel. Mais je me dis aussi que mes parents sont persuadés qu'ils font ça pour mon bien et pour leur bien, en fait. Revenir dans l'organisation, un choix que certains font pour pouvoir revoir leurs proches. Accompagnée de sa fille, Céline accepte aujourd'hui de nous montrer comment cela fonctionne. En caméra cachée, elle retourne dans son ancienne congrégation, prétextant vouloir revenir dans l'organisation. Moi, je vais venir avec vous, jusqu'aux abords de la salle. Et je vous laisserai... moi, je rentrerai pas. Donc la réaction à adopter, moi je pense que le mieux ce serait vraiment de pas faire d'esclandre et de faire un peu profil bas, c'est à dire que vous rentrez, vous voyez un peu comment les gens vous regardent. Bonjour, vous venez de où? De où? De... Enfin, je suis Céline. Ah oui, oh, je... Écoute, je n'ai quand même pas retourné. Ah, bah voilà. Voilà. Et c'est ta fille? Oui, la grande. Ah, non. Ah, bah, c'est bien. Voilà. Merci. Après avoir reconnu Céline, cette femme écourte la conversation et tourne rapidement le dos. L'attention va alors se porter sur Anna, la fille de Céline. Anna, comment vas-tu, Anna? Est-ce que t'as grandi, toi? Contrairement à sa mère, Anna n'a jamais été baptisée. Les témoins de Jéhovah peuvent donc continuer à lui parler. Tu sais quoi? Je serviendrai, t'inquiète pas. Céline, elle, est délibérément mise de côté, jusqu'à ce qu'un ancien de la congrégation vienne lui parler. Je sais pas. D'accord. Vous connaissez? Non, non, pas du tout, mais comme vous êtes nouvelle. Ok, donc en fait moi je me suis retirée il y a 5 ans. Il y a combien? 5 ans. D'accord. On était à 8 ans, puis après on a été 8 ans. D'accord. Voilà. Donc, tu t'es retiré alors? Oui. Et toi aussi? Non. J'étais donc la matrice. N'oubliez pas, le rendez-vous, voilà. C'est métro Hermann Debrou à 7h30. Possible, oui. D'accord. Ah bah, c'est compris? Est-ce que tu es métro Hermann Debrou, 7h30. Pour ceux qui prennent le cadre. Je suis un enseignant, je suis nouveau ici. Je suis que depuis 3 mois. Oui, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut avoir ton adresse? Oui. Céline accepte que des anciens viennent la visiter et donne son adresse. Quelques jours plus tard, deux témoins de Jéhovah sonnent à sa porte. Si effectivement votre désir est de revenir, on va vous dire que vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, on avait pris avec nous la brochure « Reviens à Jéhovah » parce que c'est une brochure qui est faite exactement pour ça. Donc, ce que nous, on peut vous dire, c'est « Revenez ». Évidemment, dans la congrégation, vous savez qu'on ne peut pas avoir de contact avec vous pour le moment.
Donc voilà, je sais que c'est une situation très compliquée, et je sais parce que je l'ai vécu. Donc je peux comprendre que ce n'est pas évident de revenir et que personne ne nous dit bonjour. Si, voilà, si vous acceptez cela, parce que sinon c'est quelque chose que la Bible l'enseigne aussi, et vous croyez en la Bible, donc c'est la Bible qui nous dit cela, vous êtes vraiment les bienvenus. Et petit à petit, ben, la situation peut se régulariser et nous, on peut encore mieux vous accueillir. Pour Céline et Frédéric, les témoins de Jéhovah, c'est pourtant bel et bien fini. 5 ans après leur départ, ils n'imaginent pas remettre les pieds dans ce mouvement, un mouvement qu'ils considèrent plus que jamais comme une secte. En Belgique, le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles étudie le phénomène sectaire. Ici, de nombreuses questions de la part du public concernent les témoins de Jéhovah, mais le centre veut rester prudent quand il s'agit de parler d'un mouvement en particulier. Il n'existe pas de liste d'organisations sectaires nuisibles en Belgique. La question nous est régulièrement posée. Elle n'existe pas. Il n'y en a jamais eu. C'est la volonté du législateur de ne pas épingler particulièrement un groupe vis-à-vis d'un autre, mais de travailler sur le côté des critères et de dérives néfastes éventuelles. Mais pas sur le fondement de la liberté de penser de chacun ou de s'organiser selon des critères de croyance qui sont propres à chaque individu. En 1997, une commission d'enquête parlementaire sur les sectes avait abouti à une série de recommandations en Belgique. À l'époque, 189 organisations avaient été étudiées, parmi lesquelles les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah étaient interrogés au même titre que les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une organisation qui pose question, en tout cas? C'est une organisation qui pose question. D'abord, on ne s'est pas passé à côté, parce qu'en termes d'organisation de cette nature-là, c'est à mon avis quantitativement la plus importante sur le terrain belge. Deuxièmement, je dirais que c'est une organisation qui, au niveau populaire, n'apparaît pas comme mouvement inquiétant. Parce qu'à part le fait de venir vous... Allez, je vais rester poétique. Vous importuner le dimanche matin pour vous faire part de la bonne parole et vous vendre, ou donner à une époque où vous vendez maintenant, je ne sais plus, les décisions de la Watchtower, les éditions de la Watchtower, qui est quand même une des maisons d'édition qui, au monde, fait le plus de bénéfices, les gens les voient. Et donc, les gens ont tendance à considérer que ce qui est visible n'est pas nuisible. J'ai contacté les témoins de Jéhovah de Belgique pour avoir leur point de vue sur le sujet. Le porte-parole de la filiale belge a accepté de répondre par téléphone à mes questions, notamment concernant leur politique d'excommunication. C'est vrai que quelqu'un à qui on a accordé sa confiance, parce que spirituellement cette personne déclarait vouloir suivre des principes bibliques bien précis et l'apprécier à un moment donné de sa vie, et à un autre moment donné de sa vie, elle les renie tout à fait, c'est clair que voilà, il y a un contrat de confiance en quelque sorte qui est rompu. J'imagine que si le fils d'un ministre du MR décide tout à coup d'adhérer au Parti Socialiste, il y aura moins de contacts ou des contacts plus compliqués dans la famille. Cette rupture, elle est encouragée par les témoins de Jéhovah, par l'organisation? Elle est encouragée par la Bible, tout simplement. Notre souhait, ce n'est pas que la personne reste excommuniée. On aimerait bien qu'elle revienne. Donc on espère effectivement que cette personne va réfléchir et va après redemander sa réintégration. Est-ce que c'est pas une forme de chantage affectif, le fait de ne plus parler à cette personne pour qu'elle revienne au final? Honnêtement, non. Et si vous questionnez, et ça a été le cas dans le passé, des témoins de Jéhovah qui ont été excommuniés, qui ont été réintégrés, eux n'ont absolument pas vu comme cela. En tenant à l'écart les personnes excommuniées, les témoins de Jéhovah veulent aussi se protéger des mauvaises influences du monde extérieur. Pourtant, ce représentant de l'organisation dément toute forme d'isolement social. Nous sommes effroyablement semblables à la majorité des personnes. Nous avons une vie tout à fait normale. J'ai des amis qui ne sont pas témoins et qui ont des convictions qui sont les leurs. Vous avez des amis qui ne sont pas témoins de Jéhovah ? Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'un témoin de Jéhovah peut avoir des amis qui ne sont pas témoins de Jéhovah, de vrais amis. Oui, mais bien sûr, nulle part, vous ne verrez quelque chose disant « surtout ne parler à personne ». Le fait que nous allions de porte à porte parler de nos croyances au lieu de les garder pour nous, c'est déjà en soi, je dirais, une preuve que nous allons vers les autres. Les témoins de Jéhovah pourraient donc avoir des amis en dehors de l'organisation, un discours pourtant bien différent des témoignages que j'ai pu recueillir. Vous avez perdu au final tous vos amis en partant des témoins de Jéhovah ? Oui, puisqu'on ne pouvait pas être amis avec des gens du monde, puisqu'ils appelaient les gens du monde, ceux qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. On ne pouvait pas avoir d'amitié avec nos relations de travail. On ne pouvait pas fréquenter beaucoup la famille. D'ailleurs, il n'y avait plus de fête des mères, plus rien du tout. Donc, plus de Nouvel An, plus de Noël, c'était terminé tout ça. Donc finalement, qu'est-ce qui nous restait, eux ? Dans les publications de la Watchtower aussi, les témoins de Jéhovah sont exhortés de choisir leurs amis parmi ceux qui aiment vraiment Dieu, ou encore de n'entretenir des amitiés étroites qu'avec des personnes qui aiment Jéhovah. Une règle rappelée également dans cette vidéo pour les enfants. Et là, on a rencontré une petite fille. Je suis vraiment contente d'avoir fait l'effort de m'intéresser à Elsa. De vrais amis peuvent être jeunes ou âgés, du moment qu'ils aiment Jéhovah. Est-ce que on est réellement libre de sortir des témoins de Jéhovah ? Quand vous voulez. Quand vous voulez. Lorsque j'ai exprimé à ma mère à quel point c'était violent de ne plus avoir de contact avec eux, ma mère m'a dit « Tu as choisi librement de quitter les témoins de Jéhovah. Je te l'avais toujours dit que tu étais libre d'en sortir, mais tu assumes les conséquences. » Donc oui, clairement, on est libre d'y rentrer et d'en sortir. Dans les faits, non, en fait. Le message que je peux faire passer, c'est que les témoins de Jéhovah sont des victimes. Ils ne s'en rendent pas compte. Ce sont parfois des victimes volontaires, mais ce sont des victimes, ce sont des personnes qui n'imaginent même pas à quel point ils sont abusés, à quel point on les force à faire des choses qui sont totalement inhumaines. Des témoins de Jéhovah qui sont prisonniers parce que justement la secte, au fil des années, les a isolés et que quand ils se réveillent, ils s'aperçoivent que si demain ils partent, ils vont tout perdre, il y en a énormément. Sur Facebook, je suis sur des groupes fermés. On en voit passer des gens qui viennent mettre des posts en expliquant leur situation. Oui, des gens qui ont envie de sortir et qui restent pour avoir la paix, il y en a énormément. C'est horrible. Enfin, du coup, d'être constamment déchiré entre ce qu'on aimerait et, enfin, c'est, je le souhaite à personne.